Bonjour la team, c'est Normal Cochon, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur le jeu Island. Et forcément je fais plein de vidéos sur Island, donc ils ont décidé de tout changer, notamment sur tout ce qui est totem. Et du coup je voulais vous expliquer tout ça en vidéo. Alors est-ce que ça change quelque chose par rapport au placement dans les machines et tout? La réponse déjà c'est non, ça change rien. Par contre il y a quand même quelques petits bugs et du coup je vais vous présenter tout ça en vidéo. Première chose, c'est bien qu'il change les totems, mais bon, si vous le prenez dans votre main, vous voyez qu'il ressemble toujours à l'ancien totem. Mais bon, ça c'est qu'un petit détail. Ensuite, si vous voulez venir poser les totems le long des convoyeurs, parfois, alors ça dépend en fait comment est placée votre caméra, vous voyez que là j'arrive rien à le poser à côté, par contre avec une case de différence j'arrive à les poser. Et pareil, si ici je veux le mettre sur la case, mettre deux totems côte à côte, vous voyez que là j'ai rien. Par contre, en fait, si vous tournez votre caméra d'une certaine façon, vous arrivez en fait à mettre deux totems, là bon c'est du charbon, à côté. En fait c'est pas mal de comme ça de petits bugs, mais vous inquiétez pas, toutes mes vidéos sur les totems et assembler vos machines et tout, tout marche exactement pareil comme avant. Du coup je vais profiter de cette vidéo pour vous faire quelques petits rappels aussi synthétiques sur la pose des totems. Donc là j'ai posé un smelter. Je vais détruire même les coffres, hein, parce que ça on s'en moque. Donc les totems, bien sûr, ça se pose jamais sur les mêmes cases de à côté de votre fournerie industrielle ou toute autre machine. Hein. Ça sert à rien de les poser ici, même si vous, si vous voulez l'alimenter directement. Là, vous voyez que vous pouvez le poser, mais par contre, en fait, le totem va pas détecter la fonderie comme un tapis roulant. Et du coup, il va jamais faire spawner du charbon à l'intérieur. Faut toujours poser un tapis roulant à côté. Et du coup le totem va toujours faire spawner ses items sur le tapis roulant. Vous voyez que là le totem que j'ai posé, il n'a pas fait spawner le charbon sur le tapis roulant de la fonderie industrielle, il l'a fait vraiment popper à côté. Donc ça c'est vraiment, ça a jamais changé, ça a toujours été le cas. C'est, il faut toujours poser du coup un tapis roulant, donc après vous pouvez mettre un tapis roulant ici, et votre totem. Par contre vous pouvez vraiment le poser n'importe où, ceci dit en réfléchissant j'ai jamais essayé de le mettre devant, c'est un peu con peut-être. Bon. Et ensuite actuellement en fonction de comment est votre caméra, vous voyez que là j'arrive rien à poser, et si je me tourne un peu vous voyez que là il veut bien le poser. C'est pareil normalement pour derrière, alors voilà, derrière ici il veut bien, et si je tourne un peu normalement et voilà ici il veut plus, alors que j'aime bien normalement j'ai ma case qui est libre, et du coup normalement tout devrait se passer correctement. Du coup je vais essayer ça, je vais voir si ça spawn dessus. Bon, bonne nouvelle, du coup le totem vous pouvez vraiment le mettre sur les quatre côtés de votre convoyeur, il fera spawner toujours un morceau de charbon, même si honnêtement le mettre devant c'est un petit peu idiot, mais bon. Donc voilà, donc la technique que je vous donne actuellement, c'est si vous voulez mettre des totems et tout, c'est plus facile de les poser avant quand il n'y a rien. Donc après vous pouvez en fonction de la caméra et tout, n'hésitez pas à la tourner, parce que c'est pareil si vous voulez mettre un totem entre deux totems. Faut vraiment trouver l'angle qui va bien pour pouvoir le poser. Là vous voyez qu'il n'y a aucun totem qui apparaît, et si je me mets à coucher un petit peu la caméra j'arrive à le poser et à le mettre dessus. Et du coup une fois que vous avez mis vos totems, vous pouvez mettre vos convoyeurs, et là du coup tout va apparaître sur vos convoyeurs. Bon là j'ai pas été assez rapide, du coup il a mis un petit truc avant, mais bon. Voilà, c'était pour cette petite précision sur les totems et sur la mise à jour des totems. Sinon ça ne change rien, donc vous pouvez considérer que mes vidéos, même si j'ai les anciens formats des totems, que ça n'a aucun impact. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao.